Bonjour, je suis Fanny, chargée de projet au cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui parce que c'est un grand jour, c'est la remise des prix de notre concours Balado Sciences. Donc, avant de commencer, je voudrais déjà féliciter tous les jeunes qui ont participé. On a reçu près d'une centaine de balados, donc un grand bravo à tous et à toutes. Vous nous avez fait découvrir des scientifiques très inspirants au métier exceptionnel et extraordinaire. Donc, un grand bravo à toutes et à tous. Évidemment, ça avait été très difficile de vous départager, comme vous pouvez vous en douter. On a d'abord sélectionné 12 finalistes et ensuite un jury à sélectionner, donc les trois gagnants et le coup de cœur du jury. Puis on a laissé la place aux écoles afin de voter pour le coup de cœur des écoles. Donc c'est parti pour le dévoilement des grands gagnants. Roulement de tambour! Bonjour, je suis Perrine Poisson, coordonnatrice nationale de l'événement 24 heures de science présenté par Science pour tous et membre de ce jury. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir pu faire partie de ce jury parce que les balados que j'ai entendus m'ont impressionnée. Les jeunes qui les ont préparés ont su trouver des angles originaux pour présenter les scientifiques qu'ils avaient choisis. Également, certains avaient des aptitudes naturelles pour mener des entrevues. Et encore, certains participants ont réussi à rendre l'écoute légère et intéressante en ajoutant des trames musicales bien choisies et des effets sonores parfois amusants. Alors vraiment bravo aux participants. Le troisième prix du concours Balado Science est décerné à Ryan Tayak et Tony Wang du collège chez Saint-Lambert pour leur balado « Psychiatre par vocation ». Alors bravo à vous deux. Vous remportez une carte cadeau Coop UQAM de 75$ à vous partager. Bonjour, je suis Marie-Claude Duquette, directrice générale de la Coop UQAM et aussi membre du jury pour les concours Balado Sciences. On s'est impliqué à la Coop UQAM au concours parce qu'on était heureux de contribuer au succès et au développement des jeunes. Donc, j'ai adoré mon expérience sur le jury. On a regardé des centaines de vidéos. C'était vraiment bon. La relève de demain est bien assurée. Et j'ai la tâche lourde de choisir des gens avec le comité. Et je suis heureuse de vous annoncer que le deuxième prix, c'est Zara Bonato qui l'a gagné avec son balado sur le métier de pharmacien. Donc, félicitations, Zara. Tu recevras là, dans les prochains jours une carte cadeau de 100$ de la Coop UQAM ainsi qu'un casque d'écoute. Merci beaucoup. Bonjour, Julie Champagne, rédactrice en chef du magazine Curium. Très heureuse d'avoir été membre du jury cette année pour le concours Balado Sciences du cœur des sciences de l'UQAM. Je tenais d'abord à féliciter tous les participants pour la qualité des balados qui nous ont été envoyés. C'était un vrai plaisir de vous écouter. Un en particulier a toutefois retenu notre attention. J'ai donc le plaisir d'annoncer que la première place s'est décernée à Estelle Saint-Laurent du Collège Ville-Marie de Montréal pour son balado « Le génie de l'eau ». On était très impressionnés par le travail de recherche en amont, l'entrevue qui était très bien menée, les questions pertinentes, le ton dynamique et surtout une attention aux détails du début à la fin. Donc, félicitations Estelle, première place bien méritée. Tu te mérites une carte cadeau Coop UQAM de 125$ et un abonnement d'un an au magazine Curium. Félicitations! Bonjour, ici Paul Charpentier, directeur de la programmation du média numérique Choc.ca. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter les capsules en tant que membre du jury. Le coup de cœur du jury du concours Balado Sciences est décerné à Romy Tremblay, Raphaël Laroche et Simone Lajeunesse du Collège Ville-Marie de Montréal pour le balado « La science sous toutes ses facettes ». Vous remportez une carte cadeau Coop UQAM de 50$ à partager. Félicitations pour votre beau travail. On constate que vous avez déjà acquis une bonne compréhension du langage sonore. Alors, continuez. Très beau travail encore une fois. Et c'est à mon tour d'annoncer le coup de cœur des écoles. Ce prix est décerné à Laurence Derouin de l'école secondaire Saint-Joseph-Saint-Hyacinthe pour son balado intitulé « Interview Marcel Babin ». Bravo Laurence, tu remportes une carte cadeau Coop UQAM d'une valeur de 50$.
Et la classe gagnante du quiz est celle d'Élise Grenier de l'école secondaire Saint-Joseph Saint-Hyacinthe. Un grand bravo, vous remportez une sélection de magazine Curieux. Je vais contacter tous les enseignants afin de remettre les prix la semaine prochaine. Un grand bravo à tous et à bientôt!